Bonjour à vous, téléspectateurs de TV76 Pointe de Caux. Aujourd'hui, pour les journées du patrimoine, sur ce week-end, nous avons le privilège d'aller dans une école, plutôt un centre de formation qui s'appelle Pôle Céramique Normandie. Et nous allons aller, bien sûr, à la rencontre des formateurs, à la rencontre de ces métiers sur la céramique, les différents CAP qu'on peut passer ici à ce pôle céramique de Normandie. Ah, ça y est, nous nous trouvons maintenant dans le centre et dans le hall du pôle céramique. Vous avez des travaux d'élèves exposés toute l'année. Et puis, vous pouvez leur rendre visite, je crois, si vous leur téléphonez pour une visite qui dure à peu près une soixantaine de minutes sur les explications comment fonctionne le pôle emploi céramique. Nous allons aller maintenant à la rencontre des formateurs et puis des élèves de ce centre de formation. Eh bien, bonjour. Alors là, vous êtes sur les journées du patrimoine au pôle céramique et vous êtes en train de monter quoi ? On est en train de faire un four papier là, un four papier, un four éphémère. Du coup, on va recouvrir, on fait un tipi en bois et on va recouvrir de papier glacé trempé dans de la barbotine. La barbotine, c'est de la terre liquide, de l'argile liquide. Donc, ce que vous avez dans la grosse gamelle derrière. Voilà, vous. C'est ça. On va faire comme du papier peint, mais avec de l'argile. Donc, ça va ressembler à une grosse termitière géante qu'on va allumer. Donc, sur le devant. Ouais, on va alimenter par le devant, ce qu'on appelle l'alandier. Et voilà, du coup, on va mettre la journée à réaliser les couches de papier. On va faire environ 10 couches de papier. Donc 10 épaisseurs. 10 épaisseurs. Non, ça ne tient pas du tout. Là. Donc là, il faut trouver, bien sûr, l'équilibre sur les poutres. Alors, d'après ce que j'ai compris, parce que moi, j'étais aussi élève de... Pas du pôle céramique ici. Moi, j'étais au centre de formation à Bolbec, quand le centre se trouvait sur Bolbec. Et donc, moi, j'ai fait le CAP décor. Donc là, bon, là ils vont trouver la stabilité. Et ensuite, comme l'élève, je ne sais pas son nom, m'a expliqué que là, c'est un four qui va être éphémère, qui va servir qu'une fois. Donc ils vont envelopper le tour des quatre poteaux avec du papier et de l'argile. Alors, c'est des drôles de vendanges, là. Oui. Ouais. Alors, c'est de la barbotine, ouais. Alors, vous amusez à piétiner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après? Après, ils vont les mettre normalement donc, sur... sur les feuilles, avec les feuilles. Oui, c'est ça. Et ils vont faire le four éphémère. Oui, c'est ça. Et nous, on doit piétiner parce qu'il y a des gros morceaux. Donc là, il faut bien... C'est un peu dur. Ouais, c'est assez dur parce que en fait c'est un gros tas au fond et donc pour la barbotine, voilà. Par exemple, la clémentine, ça c'est mes jambes. Donc là, tu peux montrer à la caméra. Donc là, c'est un gros bloc que tu as dans la main. Donc il faut que ça devienne carrément liquide. Ouais, c'est ça. Il faut que Justine ne fasse. Donc là, rassurez-vous, hein, c'est pas les vendanges. Hein. Donc là, ça y est, les planches sont installées sur le four éphémère. Donc maintenant, ils vont commencer à passer d'ici quelques minutes. Donc là, ils vont entourer de fils de fer pour que ça tienne bien au niveau des planches. Et la deuxième étape, ça va être, comme elle nous expliquait tout à l'heure, de tapisser de terre glaise, la terre rouge, sur les feuilles des magazines qui vont déchirer, qui sont glacées, et puis venir coller sur le tour du four sur les planches. Passer à la deuxième étape pour le four éphémère. Donc là, ça y est, on étale sur les feuilles de papier glacé de la terre et il recouvre maintenant
le tour du four sur les planches. Donc là, il y en a pour un bon bout de temps, parce que il faut, on m'a dit, c'est 10 couches de papier recouvert de terre. Donc là, ça va prendre pas mal de temps. Et ils vont s'y mettre à plusieurs parce que bon ben il faut que ça accélère quand même. Donc là il y a des morceaux de terre. Donc ils vont étaler sur la table pour une première couche. Et puis avec le balai brosse. Donc voilà, tout le monde se met à la tâche. Donc là, il en faut du papier. Voilà, c'est ça. On superpose pas trop. Donc là, il va y avoir un rendement. Donc là, quand toutes les couches vont être faites, il n'y aura plus qu'à utiliser ce four éphémère. Donc en l'alimentant par du bois, on vous montrera tout à l'heure quand ça sera fait. Mais bon, ça va demander quand même pas mal de temps. Donc on va couper et on vous montrera les images un peu plus tard. Que le tour commence à être... Le four commence à être entouré de ces feuilles de papier qui est recouvert de terre. On voit le soleil. Donc là, le four est entièrement recouvert maintenant. Donc je ne sais pas combien il y a eu de couches déjà de fait. 3 couches là pour l'instant. On n'est pas arrivé à la 10e couche. Hein. Donc voilà, ça suit son chemin. Et après, bon ben, il y aura un petit temps de séchage quand même avant de lancer le four. Donc on voit, ça sèche rapidement, hein. Il y a des taches beaucoup plus claires. Là, on a le soleil, donc ça sèche rapidement. Et puis, bon, ben, à la 10e couche, on vous reparlera du four éphémère et on verra son lancement. Eh bien, bonjour, vous êtes élève du Pôle Céramique Normandie. Donc vous passez un CAP de tournage et décoration. Donc ça fait 2 CAP ? Non, en fait je fais maintenant le nouveau programme, c'est CAP de tournage et attestation décor. Voilà, ça a changé un petit peu de format. D'accord, donc c'est une formation qui se passe en combien de temps ? Donc maintenant c'est en 14 mois. Voilà. 14 mois ? Oui, donc là on passe le CAP au mois d'octobre, donc bientôt. Et puis après on fait un petit peu de tout, voilà, du tournage et du décor. Donc vous voulez vous installer en tant que céramiste ? Oui, tout à fait, voilà. Donc il y a des aides après pour pouvoir faire une installation et est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir en vivre aussitôt ? Alors, il y a des aides qui existent, il faut faire les démarches pour. En vivre aussitôt, oui, pourquoi pas. Après, tout dépend de la manière dont on s'y prend. Je pense qu'il faut s'organiser, voilà, surtout de l'organisation. Et puis... voilà, ils mettent toutes ces tripes et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc actuellement, vous êtes combien d'élèves sur le pôle céramique Normandie ? Alors en région, parce que vous avez deux formations différentes, en formation région, on est une dizaine, un peu plus. Et après, vous avez des gens qui viennent en reconversion professionnelle avec des aides de leurs entreprises pour... Donc par exemple un fonds GESIF ? Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Alors moi personnellement, je suis en région. En région. Voilà. Donc, financement, partenariat, conseil régional. Exactement. C'est la région qui finance la formation. Oui. Donc, c'est super pour vous. C'est pas. Donc là, vous êtes en reconversion ou
Moi, je suis vraiment en formation. Je travaillais pas avant, je m'occupais de mes enfants. Et donc, voilà, je me lance. Ça fait longtemps que je veux faire ça. J'avais déjà fait des stages pour. Et là, vraiment, ça y est, je me lance. Mes filles sont grandes, alors j'y vais. Donc là, on va assister à une démonstration de tournage. Donc, fabrication d'un pot. Oui, bah, je vais vous faire un cylindre que je vais gonfler un petit peu après pour vous montrer comment la terre réagit. Donc, on vous laisse travailler. Merci. Donc là, il y a humidification un peu du plateau pour que la terre tourne. Ça s'appelle une girelle. Une girelle, oui. Donc, puisse adhérer. Voilà, donc je mets la balle au centre. Pour, et puis là, vu qu'elle n'est pas tout à fait centrée, vous voyez, elle ne tourne pas droit. Avec ce bras-là et cette main-là, je vais venir juste exercer une pression ici pour la centrer. Et je vais la faire monter. En fait, là, ce que je fais, c'est que je la range. Parce qu'elle n'est pas... C'est de la terre qui n'a pas été travaillée. Je ne l'ai pas travaillée sur une table, etc. Donc voilà, le but, c'est de la remettre en ordre à l'intérieur. Même si ça ne se voit pas, moi, je le sens avec mes mains. Vous voyez, mes mains, elles bougent. C'est parce que c'est en désordre. Alors, hop. Donc là, on voit la terre monter, là. Exactement. Ça s'appelle monter la quille. Et là, je vais la redescendre. Et en faisant ça, je la centre. En fait, je l'empêche de s'échapper par ici. Je la contrains à rester au centre. Je force un peu avec le poids de mon corps. Et voilà. Je la centre petit à petit. Tu vas faire pas maintenant comme pot. Voilà. Donc là, elle est à peu près centrée. Maintenant, je vais percer. Je l'aplatis un petit peu. Donc là, voilà, tout simplement avec un doigt. Je perce. Donc il y a besoin de beaucoup de pression pour... Non, pas spécialement. La terre, il faut qu'elle soit pas trop dure, bien sûr. Mais là, elle est très bien. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de... En fait, elle se perce presque toute seule. Voilà. Je la tiens toujours avec cette main-là pour pas qu'elle se décentre et qu'elle commence à rebouger. Et ensuite, une fois que j'ai percé, je vais venir l'écarter. Tout simplement. Voilà. Donc là, je fais mon fond. Je le lisse un peu. Voilà, je fais en sorte qu'elle se remette bien pour pas qu'elle bouge trop. Voilà, et quand j'en suis à ce stade-là, là c'est là que je vais pouvoir commencer à la monter. Donc je vais d'abord la monter grossièrement en faisant une pince avec ma main. Donc ça s'appelle la montée grossière ou la pré-tirure. Et là maintenant que j'ai fait le plus gros, je vais la monter avec mes deux mains en même temps. Donc une main à l'extérieur qui va venir faire une légère pression comme ceci et celle de l'intérieur qui va venir se mettre juste au-dessus. Donc toujours en fait une pince. Donc là j'attends qu'elle se place un peu. Je pousse à l'intérieur et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle la vague. Un espèce de bourrelet que je vais faire monter petit à petit. Donc là, on voit que ça monte. Voilà. Et donc ça, on considère qu'il faut le faire à peu près trois fois, pas plus. Si on le fait plus de trois fois, après la terre, elle est trop fragile. Il y a trop d'eau qui va venir se mélanger à la terre, elle va devenir vraiment trop molle. Donc la pièce après, va être, voilà. Se déstabiliser et après c'est foutu. C'est pas forcément foutu, mais c'est pas génial. Mais pour rattraper, c'est voilà. Beaucoup difficile, hein, quasiment impossible. Un peu plus compliqué, c'est vrai. Donc là, je refais une montée. Okay, bon, donc là, on utilise un instrument. Voilà, ce qu'on appelle une estèque. Ou un ébauchoir, là c'est un ébauchoir en fait, mais je l'utilise comme... Donc là ça sert à dégrossir un peu. Voilà, en fait là je vais venir enlever, vous voyez, toute l'eau qui est sur la terre. Et puis je vais venir aussi faire quelque chose d'un peu plus droit. Voilà. Donc là on voit la terre hein, sur...
les steaks qui est retiré. Je vais venir gonfler un petit peu ma forme. C'est vraiment juste pour vous montrer. Je vais venir faire un col un petit peu resserré. Donc vous voyez que la terre, je peux l'ouvrir, je peux la refermer, je peux... En fait, c'est très... Ou on peut refermer, vaser... Alors quand on ouvre trop, après, on peut plus refermer, mais tant que c'est pas... Tant que c'est pas trop ouvert, on peut vraiment... Donc là, on exerce vraiment des légères pressions. Exactement. Là, je me mets à quatre endroits différents, les doigts à l'intérieur pour maintenir la lèvre, ça c'est ce qu'on appelle la lèvre, et j'ai juste à resserrer. Voilà, et si je veux donner une petite forme un peu... Donc qu'est-ce qui fait un bon tourneur ? Oh bah, je pense la pratique, avant. La pratique ? Bah oui, il n'y a pas de secret, il faut en faire. Il ne faut surtout pas être nerveux aussi. Oh bah, je pense que ça peut calmer les nerveux justement, pourquoi pas ? C'est une bonne thérapie ? Ah oui, c'est une très bonne thérapie. Ouais, ça aide à se recentrer. Voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'on centre la terre, et je pense que le potier se recentre lui-même par la même occasion. Mais c'est vraiment quelque chose de très agréable, et souvent les gens sont attirés par la terre. Voilà. C'est... Alors vous faites aussi de la sculpture On fait aussi de la sculpture, on a plusieurs stages, donc des stages de sculpture. Là on va avoir un stage de lustre, donc c'est... C'est ce qu'on appelle un troisième feu. Vous cuisez deux fois vos pièces et après vous venez appliquer des lustres pour donner de la brillance à vos pièces, etc. Donc on a plein de petits stages dans cette formation qui sont vraiment très intéressants. Vous faites aussi du racou. On fait aussi, alors là on n'a pas encore fait, mais par exemple aujourd'hui il y aura... Voilà, il y aura la porte ouverte des Journées du Patrimoine, le public va pouvoir découvrir, et nous tout à l'heure on va se rendre aussi au poste de racou. Ben, merci. Donc là, je me trouve devant le four à céramique, hein, pour cuire les pièces. Donc, comme on vient de voir, hein, une pièce qui a travaillé, il va y avoir un temps de séchage. Et donc là, vous avez le four qui est à 116 degrés, donc il a atteint sa température. Et là, la température va redescendre, donc ça va mettre un certain temps. Donc, je pense que demain... Dans la journée, on va revenir et vous pourrez voir une sortie de cuisson de four. Voilà, nous nous retrouvons avec une élève, hein, aussi du centre Paul Céramique. Donc là, c'est un travail assez particulier. C'est la réalisation d'un gros pot. Là, on applique la terre sur un support avec une corde. Donc, vous êtes élève depuis combien de temps ? Je suis élève depuis 3 semaines. 3 semaines ? Voilà, j'ai encore 4 semaines à faire en tournage et décor. Donc vous voulez en vivre après, créer un atelier ? Oui, j'ai déjà créé mon atelier, et là j'avais fait une formation déjà en 2017, et j'essaye de parfaire ma formation. Quoi. Alors c'est un travail que vous allez réaliser ? Oui, c'est un travail que je vais réaliser, c'est une jarre à la corde. Et donc la corde est montée sur un cadre en bois, et on monte la terre sur, on plaque la terre sur la corde, et après le cadre sera enlevé et la corde sera enlevée aussi, et ça fera... Donc, quand tout sera entouré de la terre. Voilà, c'est ça. Alors il y a quand même un fond. Il y aura un fond après. Après, donc quand ça sera démonté. Voilà. La jarre sera posée sur le fond et raccordée à l'ensemble. Alors ça date quand même, cette technique, d'une certaine époque. Alors là, je ne pourrais pas vous dire, c'est mon premier jour de, oui, de stage pour cette technique. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, merci. Voilà, donc c'est un petit peu gênant de voir du public. Oh ben, pour l'instant, pour ça l'instant, va. Il n'y a pas encore trop de public, mais bon... Donc on va vous laisser travailler, puis on reviendra vous revoir un peu plus tard quand le travail sera avancé. Donc
Donc là, je me retrouve avec un formateur du bonjour du centre Paul Céramique de Normandie. Donc là, vous allez un petit peu nous expliquer le travail de votre élève. Voilà. Alors, en fait, au départ, on part sur des gabarits en bois qui se trouvent à l'intérieur, qu'on met sur des rondeaux. Et en fait, une fois qu'on met nos gabarits, on va mettre la corde. On amène la corde tout autour, vous voyez, très, très serrée, pour avoir en fait la forme, pour donner la forme d'une jarre, c'est des jarres de jardin. Et on donne une forme de base, que après, en fait, on vient appliquer, comme vous voyez là, on vient appliquer de la terre dessus, en plaque, ou ça peut être du projeté, ça peut être de la plaque, ça peut être, y a plusieurs façons de faire. Donc là, il y a plusieurs techniques pour appliquer la terre. Il y a plusieurs techniques, voilà. Il y en a qui font des boudins autour, il y en a qui, nous, on le fait à la plaque, il y en a qui le font en projeté, dans les grandes entreprises, ils projettent directement la terre dessus. Okay, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, vous utilisez quel type de terre? Parce que tout à l'heure, on a vu dans les bassines, là, pour le four éphémère, c'est de la terre rouge. Voilà. Et là, c'est de la terre un peu plus jaune. Voilà. Non, après, là c'est parce qu'on a une terre de chez Como, qui est un grès basse température. Mais on peut se servir de différents grès qui peuvent servir pour la jarre. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on ait en fait ce qu'on appelle une chamotte. Une chamotte qui est un petit peu de chamotte dedans, c'est comme du sable, une chamotte c'est comme du sable. Et on se sert de ça pour. Mais il y a plusieurs façons de faire avec plusieurs terres. Hein, on peut, voilà. Et ensuite il faut attendre le temps de séchage de la terre pour enlever le. On va faire comme ça, on va ramener de la terre, vous voyez, on ramène de la terre, on la met bien dessus. On va monter jusqu'à à peu près cette hauteur-là. Et là vous voyez que j'ai un gabarit là qui représente exactement la forme de la jarre. La jarre, d'accord. Voilà. Là, on va ramener notre gabarit sur la jarre et on va détremper la terre, en fait, mettre beaucoup d'eau. Et au fur et à mesure, on va la faire tourner. Au fil du temps, à force de la faire tourner, on va arriver à avoir la forme de la jarre. La forme va se faire. Après, il y a du travail de finition, bien sûr, qui va se faire. Et après, en fait, on va la laisser sécher quelques jours, 2-3 jours, pour avoir un aspect, ce qu'on appelle un aspect cuir. Ça veut dire que quand on met la main dessus, là, on voit que là, si on met la main dessus, on sent que ça colle. Là, dès après qu'on va mettre la main dessus, ça ne collera pas. Dès qu'on voit que ça ne colle pas, à ce moment-là, on commence à enlever les rondeaux. Là, il y a un rondeau qui se trouve au-dessus. Et avec les gabarits, on va commencer à enlever ça. On va enlever les gabarits au fur et à mesure. On va regarder si la jarre ne bouge pas déjà, qu'elle soit bien stable. Si elle ne se déforme pas. Voilà, elle ne se déforme pas, qu'elle soit bien stable. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va enlever tous nos gabarits. Après, on va laisser la jarre, en fait, ressécher encore un peu. Par rapport au climat qu'il va faire, ça peut être quelques heures, ça peut être 2-3 jours, pareil. Et là, on va commencer à enlever la corde. Alors moi, c'est un principe personnel que je fais, c'est que j'enlève pas la corde en une seule fois. Moi, je l'enlève. Par étape. Voilà, je l'enlève, j'enlève une partie, après j'enlève une autre partie et j'enlève la dernière partie. Une fois que là, j'ai fait ça, je vais avoir ma corde. On va avoir en fait le dessin de la corde à l'intérieur, mais au contraire, ça c'est très bon, c'est très bon. Et après, s'il y a un client qui veut que ça soit lisse à l'intérieur, c'est toujours faisable de la faire lisse, bien sûr. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va faire le fond. Alors il y a deux façons de faire. Il y a des gens qui font le fond directement et il y a des gens comme moi qui font le fond après. Ça, après, moi je trouve qu'en faisant le fond en même temps, le fond, comme c'est une plaque, elle sèche beaucoup trop vite. D'accord. Alors moi, je fais ça de cette façon-là. Moi, c'est personnel. Après, voilà, il y a des gens qui vont dire, moi, je fais pas comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. Chacun a sa technique. Oui, voilà, chacun a sa technique. Une fois que je vais avoir fait mon fond, je vais bien le travailler. Et après, une fois que j'ai fait mon fond, je vais la laisser sécher. Alors moi, je vais la laisser sécher à peu près dans les 2-3 mois. Nous, on n'est pas une entreprise. Hein. Une entreprise, eux, ils ont des séchoirs, ils ont tout ce qu'il faut. Nous, on n'est pas une entreprise. Nous, on fait du travail artisanal.
Et voilà, on va la laisser. Donc là, on peut dire que c'est du 100% artisanal. C'est 100% artisanal, voilà. Là, c'est du travail à la main, c'est du travail qui dure entre une journée et demie à peu près. Une journée et demie avec le décor, on peut être sur 2 jours. Mais là, c'est du 100% artisanal. Voilà. Et après, on la laisse sécher. Et une fois qu'on on va l'avoir séchée, on va la mettre au four. On la met au four en biscuit à 980 degrés au départ. Et après, on la monte à 1300 degrés pour qu'elle soit, en fait, comme là, c'est un grès, pour qu'elle soit, en fait, ce qu'on appelle non gélative. D'accord. Voilà, ça veut dire que si on la met dehors, même si gèle, elle bougera pas. Il n'y aura pas de casse. Non, voilà, il n'y aura pas de casse. Voilà. D'accord. Donc là, le four, il se trouve derrière nous. C'est... Oui. C'est dans ce four-là qu'on les met. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Un four de 400 litres qui permet nous, on a le gabarit qui a été fait il y a très longtemps, il fait exactement à la hauteur du four. Du four. Le four fait 80, doit faire dans donc les 60. Donc la pièce va occuper entièrement le four. Voilà. Et donc la mise en température, c'est sur un palier de 8 heures. Voilà, c'est 8 heures, ça peut être entre 8 et 10. Même nous, on va pour Déjar, souvent on va sur 14 heures. On est sur 14 heures avec une descente le double qui permet de en fait ça permet aussi que quand on la met dedans elle cuit tout doucement, ce qui permet d'éviter la casse, parce que si quand on va trop vite on a déjà fait des essais au départ et on a eu de la casse. Maintenant c'est sûr, ça pète à la cuisson. Voilà, ça pète à la cuisson. Maintenant, on fait sur un four à gaz, par exemple, sur le four à gaz qu'on a là-bas, voilà, on est sur 14 heures. Ah oui, alors, donc il y a deux types de fours. Voilà. Four électrique et le four à gaz. Et four à gaz. Voilà. Souvent, les jars, nous, on les fait au four à gaz parce qu'on a un four à gaz. Mais des personnes qui n'ont pas de four à gaz, ils pourraient... Le faire au four électrique. Ouais, ça marche très bien aussi. D'accord. Donc là, on peut dire que ça rentre dans les métiers d'art. Oui, voilà. Donc, il y a un CAP... Oui, voilà. Moi, j'ai passé le CAP comme les autres. J'ai passé 2 CAP, un CAP tourneur, un CAP décorateur. Et après, c'était une chose qu'on faisait pas ici, que très peu, on faisait très peu. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas m'y mettre. Je me suis mis et voilà. Et en plus, pour les journées du patrimoine, faire découvrir au public. Voilà, une chose qui n'est pas très connue, en fait. La jarre à la corde n'est pas très connue. Ça existe depuis. Et bon, après, moi, j'ai vu sur Internet, hein, je suis pas devin, j'ai vu sur Internet qu'il y avait des schémas qui avaient été faits en 1400 à peu près. Alors, 1400, ouais. Oui, donc c'est assez ancien. Assez ancien, voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même des traces de retrouvées en Égypte, qu'ils ont utilisé un peu ces... Ça, je ne peux pas vous dire. C'est possible, oui. Je pense que bon, les jarres, déjà, ça existe depuis très très longtemps. Très longtemps, oui. L'Antiquité. Très longtemps. On mettait de l'huile dedans, du vin. Voilà, il y avait plusieurs façons de faire, des graisses, tout ça, pour maintenir. Alors oui, après, ouais, ça existe depuis... Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, nous, on est sur des jars de jardin, en fait. Beaucoup ont fait des jars de jardin, comme beaucoup de grandes entreprises maintenant qui font ça. Donc, on peut dire que le Pôle Céramique Normandie, donc c'est une école de formation. Voilà. Donc, vous accueillez des élèves de quel âge à peu près ? Il y a tous les âges. Je pense que la plus jeune, je crois, c'est 20 ans. Qu'on a eu. Après, je crois qu'on n'a pas eu plus jeune, et jusqu'à des personnes qui ont 60 ans, un peu plus de 60 ans. Voilà. Alors, est-ce que actuellement on peut en vivre de ce métier en France ? Est-ce qu'on peut en vivre ? Oui, il y a des gens qui peuvent en vivre. Après, tout dépend de l'emplacement où on se trouve aussi. Parce que, alors, ça dépend des régions ? Voilà, ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont très touristiques, que ça marche mieux que des régions qui sont non touristiques, où là, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je dirais que voilà, quand on vend des poteries, on n'est jamais sûr que ça va se vendre. Voilà. Si par exemple on voit que ça ne se vend pas, eh ben on va essayer autre chose. Mais voilà, on ne peut pas dire à 100% qu'on peut en vivre. Mais il y a quand même des débouchés qui permettent de pouvoir s'en sortir.
Donc il y a bon, le tournage, on peut faire aussi de la sculpture. Voilà. Donc derrière vous, on voit des colonnes. Voilà. Donc, qui ont été faites par Céline Bachelot qui a fait ça. Alors là, on voit, c'est du boulot à réaliser, voilà, parce voilà. Que là, il y a un peu de sculpture, voilà, il y a des là, pots voilà. Qui sont tournés, qui voilà. Sont voilà. Rassemblés. Le tournage, la sculpture, et en fait, c'est un assemblage qui a été fait ensemble pour donner une espèce de colonne qui est là en attente de cuisson. Voilà. Et après, il y aura l'émaillage. Donc, ouais, l'émaillage, ça peut être de l'émaillage ou des oxydes. Voilà, ouais, ça, voilà, c'est ça. On peut faire soit de l'émaillage qui va donner un aspect brillant, soit on veut donner un aspect mat, soit on peut faire une patine. Il y a plein de possibilités sur la sculpture. C'est assez important, assez énorme. Et nous, voilà, nous ici, on fait un peu de tout, un peu de l'art de la table, de la sculpture, de l'unique. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et nous, on essaye d'être le plus, plus évasif en fait sur ce qu'on fait. Actuellement, vous avez combien d'élèves sur le pôle céramique? Alors, on a des élèves qui sont par la région et on a des élèves qui sont individuels, des gens qui viennent pour une reconversion et voilà, donc c'est eux qui payent leur formation là. Non, parce qu'ils ont avant ils avaient le Fongicif. Oui, donc il y a la possibilité, oui, donc c'est un autre nom. Voilà, voilà. Mais voilà, on acquérit des comment on appelle ça pour la formation. Formation professionnelle, oui, avec le travail des nombres de points. Maintenant, c'est sous forme de points. Et ça permet que si les gens ils veulent se reconvertir ou ils veulent utiliser ces points et quitter leur entreprise pour venir en centre de formation, passer un CAP. Oui. Oui. Eh bien écoutez, je vous remercie de ces explications. Merci. C'est moi qui vous remercie. Coupé. Donc là, nous nous trouvons au poste émaillage pièce. Qui va aller dans le four Arakou, où se trouvent actuellement Pierre et puis Max, que vous voyez de dos. Donc là, le public peut réaliser sur des bols donc, qui ont été déjà cuits. Hein, c'est ce qu'on appelle les biscuits. Donc les biscuits vont être décorés par le public et ensuite ça va rejoindre, quand plusieurs pièces vont être faites, va rejoindre le four Arakou. Donc le four Arakou, c'est assez particulier. Donc on peut utiliser de l'émail, on peut utiliser des oxydes. Et ensuite les pièces vont dans... Donc là ils viennent d'allumer le chalumeau, on peut dire que c'est le chalumeau, et là on place la flamme en dessous le four, donc il y a une ouverture, donc il y a une grille, les pièces vont être donc mises dessus, donc ça reste à peu près 40 minutes ou 50 minutes, ça peut rester une heure, tout dépend de la température, parce qu'il faut vérifier aussi la température du four. Et ensuite, les pièces sont sorties et vont rejoindre les bassines qui sont là-bas. Donc, il y a soit de la sciure, soit du papier. Et on peut aussi, avec les pinces, les mettre. Donc, ça va s'enflammer. Et ça va faire la création de craquelures sur les pièces. On peut les mettre aussi dans de l'eau glacée. Donc, ça fait craqueler les maillages. Et les oxydes vont se transformer en différentes couleurs, les différents oxydes qu'on utilise. Voilà, on commence par nous et puis après... Après, tu seras vers moi. 40 minutes. On a pour certains qui vont... Tu veux venir à l'atelier ? 1100 degrés. On est mal. Ouais, je vais juste faire quelques retours. Allez, gars, c'est 40 minutes au four. Par contre, nous on sera parti. Sauf si tu restes là et puis que moi je m'occupe des enfants que tu vois avec Élise.
attends, il va se réaliser. Après, tu peux soit marcher comme ça, soit tu prends celui-là, il est en admettant que j'ai bien nettoyé tout. Celui-ci, c'est bon. Moi, je le laisse comme ça, ouais. Okay. Avec des petites bulles. Là. C'est bien ça. C'est rapide. C'est rapide. Tu veux faire quoi comme couleur pour... Moi ouais. Tu veux choisir un bol. Oui, tu fais des petites décrépistes. Attends. Pour la grosse mando. Donc là, vous voyez, hein, le public est en train de faire du décor à coup. Ouais, ça serait facile. Sauf qu'après, tu peux plus la réémailler, t'as l'impression pas qu'elle est humide. Ah, on va attendre qu'elle leur sèche pour qu'elle puisse mais du coup, redevenir poreuse et réémailler par-dessus. Quoi. Mais tu disais de nettoyer tout à l'heure ce qui avait coulé quand tu avais fait ça là. Ouais, ouais. Comment tu fais pour. Oui, mais tu la trempes pas de cette manière. Tu prends juste une éponge et t'enlèves le surplus. Plus soft. Quoi. Voilà. Okay. Et là, il y a un problème. Donc là, la pièce, elle va pouvoir être utilisée. Bah là, si elle ressèche, oui, elle va pouvoir être émaillée. Si on a raté son émail, par exemple, il suffit de l'enlever avec de l'eau et puis d'attendre que ça sèche et de réémailler. Donc là, la technique du raku, c'est une technique assez spéciale. On peut utiliser de l'émail comme on peut utiliser des oxydes. Mais ici nous on n'utilise que des émaux en fait parce que ça permet d'obtenir des craquelures et d'avoir un contraste de matière. Donc entre les fissures noires, mates et l'émail brillant, voilà. Donc le raku c'est une technique japonaise ? Oui, mais je crois que les japonais, alors je suis pas spécialiste du raku, hein, mais je crois que les japonais n'utilisent pas, ne font pas exactement le raku de cette manière. Je crois que ce qu'on fait, nous, c'est, ça s'appelle raku américain, à vérifier, mais c'est une sorte de raku assez artificiel, en fait, qui se fait très, très rapidement. Et donc, avec un choc thermique, on va créer des fissures dans l'émail et le carbone va s'insérer dans les fissures et c'est ce qui va donner l'aspect noir des fissures. Donc, il y a différentes techniques. On peut utiliser de la sure, du papier. Ouais, il y a différentes techniques de raku. Voilà. De l'eau glacée. Ouais, je les connais pas toutes en fait, mais voilà, je sais qu'il y en a plusieurs. Donc tu es élève au centre Paul Céramique. Moi, je suis pas élève dans le sens où j'ai pas été subventionnée par la région, mais j'ai suivi des cours en autonomie ici parce que je suis déjà céramiste, mais il me manquait la partie tournage. Et donc j'ai voulu apprendre la technique du tournage et comme je suis normande, voilà, je suis venue ici apprendre la technique. La technique est passée à un CAP ? Eh bien non, parce que j'ai déjà un diplôme, mais donc je ne suis pas nécessairement intéressée par le CAP, même si peut-être que je le passerai un jour, voilà. Mais le but, c'était d'apprendre, d'avoir des bonnes bases de tournage et d'apprendre la technique. Mais moi, je suis pas restée, je suis restée que 4 mois et demi. Donc voilà, j'ai pas suivi tout le programme. Donc, Le cursus est pas complet. C'est pas complet, mais j'avais déjà des connaissances avant, donc j'ai juste comblé des lacunes et j'ai révisé certaines choses. J'ai aussi approfondi certaines méthodes avec d'autres professeurs qui ont des méthodes différentes de celles que j'avais apprises. Et voilà. Écoute, merci et puis bonne continuation. Donc là, nous avons le directeur du centre Paul Céramique de Normandie, qui est Max de Beauvais, qui est en train de contrôler la température du four avec un bout de papier. Et on va voir si le papier s'enflamme. Donc le papier est chaud, mais il ne s'enflamme pas. Donc là, Max me disait qu'on était à moins de 200 degrés. Donc ce four est alimenté par les bûches de bois, donc des planches hein, en longueur, parce que le four est en longueur.
Donc là, Max est en train de replacer le bouchon. Donc là, le four a été monté avec des briques et de la terre et de la paille, comme un torchis. Donc on voit, si tu zoomes, Thierry, on pourra montrer au public les traces de paille. Donc la chaleur circule dans le four. Ici vous avez la cheminée. Donc là on voit pas on voit peut-être au loin, si on s'éloigne, peut-être la chaleur. On voit que ça fait pas de fumée, mais on voit la chaleur. Donc là, c'est du 100% artisanal. Et bien voilà, après avoir fait l'émaillage, que s'est passé dans le four à raku? Voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait des craquelures à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on a différentes teintes. Ça donne des effets assez particulier. Donc on sait jamais avec le raku ce qu'on va avoir comme décor à la sortie du four. Voilà. Donc on a des couleurs qui sont un peu différentes. Je vais voir au niveau du soleil voilà ce que ça peut donner. Donc ça, c'est du raku. Donc on peut faire des bols, on peut faire des assiettes, des théières, tout ce qui est fabricable en terre. Ça peut être aussi des sculptures. Donc là, aujourd'hui, c'est plus des bols. Hein. L'école, les élèves ont fabriqué pour les gens qui vont venir pour ces journées du patrimoine. Donc là, vous avez deux petits qui sont en train de faire un décor à l'intérieur. C'est la première fois que tu fais un décor? Oui. Oui. Alors qu'est-ce que tu vas faire comme dessin à l'intérieur? Là, j'ai fait un S, la première lettre de mon prénom. Oui. Alors, t'as mis quoi comme couleur? Du bleu turquoise. Du bleu turquoise. Et après, ça va aller au four? Ouais. Donc c'est pas toi qui vas aller le mettre au four, parce que c'est quand même dangereux. Et après, tu vas récupérer ta pièce? Oui. Alors, est-ce que tu as une idée de la couleur que ça va ressortir? Parce que on n'est jamais sûr des couleurs. Bon, on va voir. Tu as mis du bleu turquoise. Mais bon, c'est jamais sûr d'avoir la couleur bleu turquoise exacte avec le four à raku. Donc on verra après la pièce sortie du four. Donc là, il y a les deux formateurs qui vont enfourner dans le four à raku les pièces qui ont été juste émaillées par les gens qui sont venus tout à l'heure pour faire du décor sur les pièces biscuits. Donc là, ça va être enfourné. Donc là, on utilise des pinces. Là, Pierre est en train d'ouvrir. Donc, apparemment, il y a des choses qui sont dans le four. Donc là, Max est en train de mettre un peu plus de gaz. On sent, hein, on entend au niveau du bruit. Il y a plus de gaz qui arrive dans le four, là. Donc là, Pierre, le four, il est à peu près à combien de degrés? Ah, il est à... Ah oui, là, tu vas tricher, là. 198 degrés. Donc là, il faut qu'il monte encore à combien? À 950, 900.
Entre 900 et 950. Donc là, ça va mettre à peu près une petite dizaine de minutes. Oui, c'est ça, ouais, ouais. 10 minutes. Donc là, tu as déjà des pièces qui sont à l'intérieur. Il y en a quelques-unes. Quelques-unes. On pourrait même, en fait... Ah bon, on va remettre des pièces alors dedans, hein? On remet des pièces dedans. Oui, mais là, c'est pas si chaud. Hein. Ils s'en sortent, c'est pas chaud. Mais du coup, on profite, on met quelques pièces dedans. S'il y a encore un peu de place. On doit baisser à 600, il y en a deux, mais je pense qu'il faudrait les deux. Ouais, là pour l'instant il y a deux pièces dans le four. Là tout de suite on ne peut pas rajouter d'autres pièces parce que si on ouvre la porte du four, automatiquement on va avoir une perte de chaleur et là ce serait de la perte de temps. Donc ici vous voyez les gamelles. Alors donc dedans il y a de la sûre, c'est allumé et à la sortie du four les pièces vont venir sur la sûre, ce qui va créer les craquelures, donc c'est le carbone avec l'oxydation de l'air et voilà, c'est ce qui nous donne après les effets sur les pièces. Donc là, Max et Pierre ont rajouté un bout de tubage pour la cheminée pour avoir moins de tirage pour le four. Donc là, ils sont en train de faire sécher la terre du four à torchis. Et après, on pourra l'utiliser pour mettre des pièces. Donc bien sûr, tout autour, ils mettent des barrières pour la protection pour le public. Hein, parce que c'est un four qui a été construit hier, donc à base de terre et de torchis. Et puis le four éphémère, ils travaillent toujours en train de poser leurs feuilles de papier et de terre. Et puis... là, ils vont bientôt approcher les 10 couches de papier. Le four éphémère sort après à l'utilisation. Donc, tous les ans, le pôle en céramique de Notre-Dame de Gramenchon. Aux journées du patrimoine, vous invite à venir découvrir les métiers de la terre. Donc le tournage, vous avez des ateliers d'initiation au tournage, un atelier d'initiation à l'émaillage raku. Alors là, ça y est, le four à raku, la porte est ouverte. Donc on voit, ils sont en train d'enfourner les pièces qui ont été émaillées. Donc là, on utilise des pinces. Donc on place les pièces sur une plaque réfractaire. Donc là, ça y est, on va mettre la porte du four. Il y a encore une pièce. Il laisse deux secondes. Que les pièces prennent un peu, ne referme pas tout de suite. Que la pièce prenne la température un peu. Voilà, on attend toujours un petit peu, on regarde, c'est bon. C'est bon, non. Donc là, la porte du four à raku est refermée. Donc le four va remonter en température et les pièces vont cuire à peu près une 40 minutes à peu près. Et on assistera au défournement de ce four. Et vous verrez les pièces qui iront dans les gamelles que je vous expliquais tout à l'heure avec la sûre. Nous avons eu
des pièces qui sont sorties du four à raccoons, qui ont été plongées dans les gamelles de sûre. Et voilà, ils sont en train de nettoyer. Et nous avons les couleurs, un couleur vert. Donc on va assister d'ici quelques minutes à une sortie d'une sculpture, une tête. C'est en train d'ouvrir pour sortir une tête, une sculpture en raccoon. Donc là, ça va être plongé dans l'eau. Là, Max a plongé la sculpture. Donc tu la vois, t'es pas gêné avec la barrière? Hein? Donc voilà, la pièce est en train de se refroidir dans l'eau. Donc là, je sais pas si vous voyez la caméra, mais bon, on verra l'effet quand ça va être sorti. L'émail a craquelé avec le choc thermique. En plus, il y a des super reflets. Donc là, elle regarde si c'est encore brûlant ou... Donc là, on laisse la pièce encore quelques minutes dans l'eau. Alors, vous êtes content du résultat ? Oui, c'est assez surprenant, mais ouais, je suis contente. Donc ça donne des effets magnifiques. Ouais, puis il y a toujours un côté assez hasardeux. En fait, on a toujours une idée de couleur en tête, et en fait, à la sortie du four, il y a toujours autre chose. Voilà, exactement. Donc on va la voir tout à l'heure à la caméra. Là, ça refroidit encore quelques minutes. Il faudra les nettoyer. Ouais, elle est encore chaude. Donc on va attendre, et puis on verra la pièce après. Là, ça va être le nettoyage de cette sculpture. Donc voilà, c'est le nettoyage. C'est encore chaud. C'est un peu plus épais que les tasses et les bols, donc forcément... C'est avec du cif, alors. Ouais, avec du cif, ouais. C'est super joli. Donc là, on enlève les traces de carbone. Oui, c'est ça. C'est trop joli. Bravo, hein. Donc vous voyez apparaît maintenant les craquelures, les effets de raccoon. Et puis l'émail que pensait sa créatrice, ça n'a pas donné l'effet qu'elle voulait exactement, mais bon, ça donne un effet quand même qui est super, avec des reflets de couleurs, de bleu, de vert et un peu de cuivre. Oui, c'est ça, c'est le cuivre en fait au sein de l'émail qui donne ce côté métallisé. Métallisé. Donc c'est une tête japonaise. Voilà, ouais, une petite chinoise, une petite asiatique qu'on a réalisé lors d'un stage de sculpture. Donc content de son travail. Hein. Oui. Pour une première. Donc tu es élève au pôle céramique? C'est ça, au sein de la formation région en fait. J'ai commencé en... Bientôt le CAP. Voilà, au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Donc tournage et décor. C'est ça. Et puis on a plusieurs workshops en fait tout au long de l'année. La sculpture, création des mots. Donc il y a les cours d'enseignement généraux. Donc de l'anglais. Il n'y a plus d'anglais? Non. Moi à l'époque, quand on était à Volbeck, on allait au cours d'anglais. Pierre-Marie Curie. On avait des cours de français, de maths et physique. Non, là on a juste les cours de tournage, de décor et d'art appliqué en fait. Voilà, c'est tout. Oui, ça a changé. On a déjà le bac ou des diplômes de niveau supérieur en fait. Ça dispense justement des autres cours. C'était le terrain. Oui, c'est le terrain.
Donc la terre à raku, elle est noire. Hein. Non, celle-là, elle était un peu blanche-grise, en fait. Ouais, et un peu chamotée, donc il y avait des petits grains. Des... Et là, on les sentait un petit peu. Enfin, souvent les cheveux, en fait, de ce côté un peu granuleux. Ah, c'est magnifique, hein. Il y a du vert, je sais pas si la caméra peut capter, tu captes. Donc on a vraiment... Oui, on va pouvoir la rapprocher la caméra. Voilà, vous allez pouvoir découvrir les nuances de couleurs. Là on a le cuivre, on a le vert, on a du bleu, et puis l'émail qui est crémeux, qui a craquelé et qui donne ses effets... Donc c'est magnifique, c'est une pièce de collection là. Merci. Eh bien bon courage. Bon, alors, vous la créatrice de cette sculpture. Oui, oui, oui. Donc vous êtes élève du pôle céramique. Oui, j'ai commencé en janvier et je termine à la fin du mois. Donc avec le CAP. Oui, le CAP c'est en octobre. Donc un peu de pression là. Oui, oui et non. Je pense que on a tous appris les bases et je pense que ça va marcher. Donc vous avez eu des cours sur l'histoire de l'art aussi. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez pris pendant ces cours? C'est très utile. En histoire de l'art, oui, c'est pour avoir un bon aperçu. Bon, moi, personnellement, je mémorise pas trop les dates, mais dans les grandes lignes de la préhistoire. En passant par les Grecs, les Italiens, la faïence aussi locale de Rouen et les autres. Toutes les techniques régionales. Oui, oui. Et donc là, vous avez été inspirée par... Alors c'est un corps de femme? Oui, j'étais inspirée par ma sœur qui dort. Votre sœur. Donc vous l'aviez devant vous pour la sculpter? Non, j'avais juste une photo que j'ai prise en secret et... Ça m'a inspiré, mais le reste, je fais sur modèle. Donc là, vous avez utilisé quel type de terre? C'est une terre très chamottée, noire, qui s'appelle Outa. Et c'est un grès chamotté. Donc c'est une terre qui est spécialisée pour faire du raku? Non, c'est une terre spécialisée surtout pour faire de la sculpture, parce que donc elle est très maniable, mais elle ne se prête pas pour le tournage. Mais elle peut aussi passer au raku, d'après ce que Max, Max vous a dit. Oui. Donc c'est un bon conseil qu'il vous a donné, je pense, hein, parce oui. qu'il est quand même professionnel, lui, Max. Donc là, vous avez décidé de mettre quel type d'émail? J'ai mis du blanc parce que comme c'est noir, bon, je pense que le blanc c'est bien pour cette sculpture. Et à la sortie du four, vous ne savez pas quelle couleur exacte vous allez obtenir? Bah, ça va être un crème normalement. Crémeux. Donc on... Avec des fissures comme on a Donc vu, un craquelé. Oui, un craquelé. Ouais. Donc on va attendre qu'elle passe au four et puis on verra votre pièce un peu plus tard. D'accord, merci. Bon courage. Le masque, la protection. Et d'ici quelques minutes, vous allez voir l'ouverture de la porte pour défourner les pièces qui ont été enfournées tout à l'heure que vous avez vues. Donc là, ils prennent toutes les précautions nécessaires. Donc là, Max explique à l'élève qu'il faut aller prudemment poser les pièces. Donc il y a différentes grandeurs de gamelles hein, en fonction de la grosseur de la pièce qui a été enfournée. C'est pour que ça réagisse un peu à l'oxygène. D'accord, hein. Je vais laisser comme ça, voilà. 1, 2, 3 et je vais mélanger. Et on vient là délicatement. D'accord. Il y a pas, c'est pas la peine de se préciser. Non. Donc voilà, les consignes ont été données. Donc là, on baisse le gaz pour avoir moins de débit au niveau de la flamme. Donc là, ouverture. Donc là, on sent vraiment la chaleur. Hein. Il fait une chaleur. Donc voilà, les pièces vont aller dans le bac avec la sûre. Donc il pose délicatement, ça va fumer. On rajoute de la sûre par-dessus. Voilà.
Donc la deuxième pièce, pareil, même chose, on rajoute encore de la sûre. Voilà. Donc il faut être très très prudent parce que si vous vous brûlez là, c'est tout de suite l'hôpital. Donc de l'autre côté, vous avez une élève qui tient la porte, hein, qui est quand même de l'autre côté hyper hyper chaude. Et devant la porte du four, la personne qui défourne derrière va aller boire sûrement de l'eau parce qu'on se déshydrate très très vite. Donc là, on met quand même les gants. Donc là, ça fume. Hein. Voyez les pièces. Dès qu'ils touchent la sûre, ça se met à fumer. Alors ensuite, ils vont mettre des couvercles. Voilà, Max a mis un couvercle. Donc il reste encore deux pièces dans le four. Et il va y avoir des pièces qui vont être enfournées. Donc c'est bien quand on fait du raccoup d'avoir un jardin ou un endroit aéré parce qu'avec les fumées c'est un peu toxique. Donc là hop, on met les couvercles, on remet les casseroles par-dessus, on couvre les pièces et là vous allez voir maintenant un enfournage de pièces qui a été émaillé. Là, le four est ouvert et puis ça continue d'enfourner les pièces qui ont été émaillées. Les pièces qui sont installées. Donc on essaye de gagner un peu de place pour mettre une autre pièce. Non, c'est pas possible. Donc là la porte du four arrive et on va remonter la température du four en remettant du gaz. Vous êtes la créatrice de cette pièce, oui. Donc c'est un dragon. Oui. Vous avez été inspiré par quoi? Bah, j'adore les dragons, donc j'ai fait un dragon. Vous êtes bretonne? Non. Même pas. Donc là, vous êtes en train de l'émailler. Oui. Donc avec de l'émail de quelle couleur? Ah bah là, ça va être un émail un peu arc-en-ciel. Donc avec des effets métalliques? Oui. Donc ça va aller dans le four à raku. Oui. Donc on attend de voir la finition à la sortie du four. Ouais. J'espère. Toujours la crainte? Oui, j'ai un peu peur qu'il casse. Donc ça va peut-être pas casser, mais bon, les couleurs, on s'attend jamais à avoir la couleur qu'on a en tête. La couleur, ça va être la surprise. La surprise, oui. Donc élève du pôle céramique. Ancienne. Ancienne élève. Donc CAP, tourneur et décor. Les deux, ouais. Les deux. En quelle année? Promotion, c'était l'année dernière. L'année dernière, donc 2018. Donc ce qui est bien, là on peut utiliser différents émails, donc pour faire les ailes du dragon, la crête du dragon, et puis utiliser une autre émail pour le corps. C'est ce qui est formidable. Là je vais m'en servir que d'un et le reste du corps va rester nature. Comme,
nature. Et normalement, il ressort tout noir. D'accord. Ok. Donc, on verra la pièce d'ici quelques heures. Bah, bon courage. En début de matinée, le travail avait été commencé, la terre était à ce niveau-là. Maintenant, on arrive carrément dans le haut. Et puis, la terre commence à se lisser parce qu'il faut masser. Donc, on masse pour créer. Mouiller. Et puis vous avez la forme ici, voilà, donc ça va faire à peu près quel poids à la fin? Entre 45 et 50 kilos. Ah, quand même. Donc là, il faut bien mouiller. Le gabarit qui est ici. Et en fait, c'est lui qui va utiliser la forme. Est-ce que c'est ce qui va enlever aussi l'excédent? Oui, voilà. Il va enlever l'excédent. Et on va. Et c'est ce qui va aussi permettre de lisser en même temps. Voilà. Après, on reste sur entre 2 cm et demi à peu près. Oui, il faut que l'épaisseur soit égale à peu près partout. Ok, là il faut de la force. Ouais. Donc là, vous voyez l'excédent de terre. Donc on la replace ailleurs. C'est pas grave. Il n'y a pas de gaspillage dans la poterie. Hein. Non, on la recycle. Vous la recyclez à chaque fois. Ouais. Donc soit en barbotine. Soit en barbotine, voilà, on la remet en pain. On l'a reformée. On la reforme. On la met dans des seaux, on la fait détremper et quand ça a suffisamment... que l'eau est évaporée. On la remet en pain et après on la retravaille. D'accord. On la repétrit, on la tape. Et vous la réutilisez. Le but c'est qu'il n'y ait pas d'air dedans. Oui, parce qu'une bulle d'air, ça pète à la cuisson. Voilà. D'ailleurs, c'est moi. C'est pour ça qu'il faut aussi que ce soit bien sec. Avant de cuire. Oui, voilà. Oui. Mais on fait toujours des fours qui sont assez lents pour vraiment. Donc, on enlève l'excédent. Il faut y aller petit à petit. Ça va, c'est pas pesant. Donc là, c'est. Je vais me faire le pilier là. On va y arriver. Tu pousses pas. Là, il faut de la force. Là, ça a du mal à bouger. Hein. Il y a plus de terre. On va me chercher une terre. J'enlève un excédent. Voilà. Donc là, vous allez vraiment voir comment, de cette technique, on arrive à former une jarre. Là, c'est vraiment le travail, mais 100% manuel. Il n'y a pas de machine, donc c'est pas de l'industriel. Là, il y a la machine.
pour dégrossir et après le sanitaire juste là à droite. C'est le maître Jarre, c'est ça. Voilà, maître Jarre. Donc là, ça se termine. Oui, ça se termine. C'est une étape. Voilà, la forme. La mise en forme. C'est l'étape de la mise en forme. Après, il va y avoir des travaux, des petits défauts. Des petits défauts, mais on va essayer de faire au maximum. Récupérer. On est jamais à 100%. Si on était à 100%, on dirait que j'ai un terrain fait. Oui, voilà. Mais c'est un industriel. Voilà. Que là, c'est 100%. Voilà. Fait main. Voilà. Et si on fait une jarre, la deuxième sera pas la même. Elle sera faite, mais. Donc chaque pièce est unique. Ouais. On n'a que des pièces. Voilà. Et après, bah, ça va être l'étape. Demain, la commission, l'édition, et après bah, ils vont attaquer le décor. On retire encore de l'excédent. Voilà, on essaye au maximum. On essaye au maximum d'enlever l'excédent pour vraiment avoir une jarre le plus uniforme possible. Et après, voilà. Après, nous attaquons le décor dessus. Et on voit ce qu'on va faire comme décor. Qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas. Pour l'instant, qui c'est qui va s'attaquer au décor? Qui c'est qui va s'attaquer au décor de la jarre? Ouais, ça va être selon l'inspiration demain. Bien sûr. Alors comme on est sur les journées du patrimoine, ça peut être un thème. Ça peut être aussi un thème. On peut dire voilà. On peut faire un thème un peu. Là je complique les choses pour les élèves. Parce qu'on nous donnait des thèmes par moment et là ben, voilà, le thème il est tout trouvé pour demain. Décor du patrimoine. Donc oui, j'ai vu la jarre avec mes têtes déjà. Voilà, ça c'est une jarre. Ça, c'était une jarre qu'on avait fait à Graines de Jardin à Rouen. Et en fait, après, j'ai arrivé ici, on l'a récupéré. Et c'est Céline Bachelet qui a fait des sculptures, donc les têtes dessus. Voilà. On a tellement de possibilités de décor que ça peut être émaillé, ça peut être resté comme ça, ça peut être. On peut creuser à l'intérieur, on peut donner de l'excédent. Voilà. Il y a plein de possibilités sur le décor. On verra après. On va vous laisser continuer le travail. Merci. Un bon courage. Donc ben là, vous voyez des pièces uniques
que les élèves ont réalisé. C'est du grès, il y a différentes couleurs de terre, hein. Il y a de la terre blanche, de la terre grise, de la terre rose. Et puis là, il y a différents types de travail, donc sur buste, ou des animaux comme le renard, la tête de renard, et une magnifique tête de cheval. Donc ça, c'est des travaux réalisés dans le cursus de formation des élèves. Donc là-bas, vous avez des vases, vous avez aussi un buste, vous avez des pièces qui sont uniques. Hein. Ça peut être un pot à fleurs, et ici, vous avez un trou pour faire un seau de fleurs, mettre une branche, et puis des tableaux. Donc ça, c'est une technique que je ne connais pas. Donc c'est de la terre étalée, alors je ne sais pas si c'est sur une toile de tableau, sur une planche de bois. Alors, je ne sais pas. Tiens, on va voir si une élève... Donc c'est une nouvelle technique, ces tableaux. C'est un artiste en résidence, il s'appelle Pierre Guillotot, qui fait des tableaux en terre crue. Donc il utilise une toile comme un peintre et voilà. Il met de la terre dessus. Exactement, là, pour la première couche c'est du goudron qu'il va prélever côté de Clermont-Ferrand, du goudron naturel, sur lequel il applique différentes sortes d'argile qui vient chauffer au chalumeau pour créer des cratures. Et ensuite il cire tout à la cire d'abeille. Donc c'est une super technique, hein. ça donne des effets. Oui, pour des maisons, pour faire des intérieurs. C'est magnifique. Donc poudron naturel et puis de la terre et de la cire d'abeille. Donc c'est magnifique. On a plusieurs possibilités dans le travail de céramique. Donc on va s'approcher, on va se tourner un peu de ce côté-là. Donc vous avez des formes antiques, réalisées aussi par les élèves. Une sculpture en racou. Donc je pense que c'est une sculpture très moderne qui représente c'est de l'art. Hein. Donc, on peut voir un couple qui s'enlace. Et puis de ce côté-là, c'est un peu moderne, vase qui a été montée, je pense, par forme de plaque ou qui a été peut-être montée autour et puis déformée. Et avec un décor assez moderne. Là, on a une tête de clown. De l'autre côté, c'est un visage, je vais voir pour le tourner, un visage différent. Là, c'est une sculpture de chameau. Je ne sais pas si tu la vois, chameau avec les deux personnages. Et puis là, c'est aussi deux tableaux, comme elle nous expliquait tout de suite sur la réalisation, de goudron naturel, de terre et cuite au chalumeau. Voilà, si on va s'approcher. Nous trouvons aussi devant des pièces qui ont été réalisées dans l'année 2018 et 2019 par Céline Bachot, l'élève qui a été au Burkina Faso et dans les différents pays. Voilà son travail, différentes sculptures. Donc c'est moderne, c'est très sympa comme réalisation de travail. Et maintenant on va aller dans la salle. Où il y a les élèves qui ont réalisé des objets, donc en terre, en terre cuite et avec les différents décors. On va aller découvrir ça. Dans une salle d'exposition de travaux d'élèves, là, ils ont travaillé sur des assiettes, donc avec différents types d'oxydes, ils ont utilisé de l'émail. Et là, vous avez une assiette avec des traits et des petits points, donc c'est fait en relief, donc c'est de l'engobe, c'est de la terre qui est très liquide, donc on met dans une poire et on applique sa poire, on tire un trait en appuyant légèrement et la terre sèche aussitôt, donc on peut faire les croisés et pour les petits points on laisse appuyer sur la poire et l'engobe vient s'appliquer et ensuite on peut y passer de l'émail et puis réaliser des feuilles. Donc là, ce qu'on appelle, c'est les traits
qu'on voit, ça s'appelle des filets. Donc c'est fait sur une tournette. Donc il faut centrer l'assiette et ensuite il faut avec le pinceau appliquer le pinceau sur l'assiette sans trembler. Et il faut pour ça vraiment que l'assiette soit bien centrée sur la tournette. Donc voilà, voici des différents décors. Donc ça peut être des monochromes, des polychromes, donc avec différentes couleurs. Donc voilà, on va continuer à avancer. Donc vous avez différentes assiettes et des décors. Donc je peux vous dire que vous pouvez venir au pôle céramique tout terre qui se trouve à Notre-Dame de Grand-Manchon, au centre de formation. Ils ont une boutique. Vous pouvez acheter ces objets. Vous pouvez même vous faire réaliser des objets. Bon, donc on vous dira le coût. Et donc ils vous lanceront la fabrication et ensuite vous pourrez récupérer les objets que vous avez demandé, soit une réalisation de bol, une théière, ce que vous avez envie, ou même une sculpture. Donc voilà, donc on va s'approcher. Donc là, on se trouve toujours dans la salle d'expo où tous les objets qui ont été créés par les élèves sont mis en vente, hein, comme je vous le disais. Donc vous venez et puis vous pouvez acheter les pièces que vous voulez. Donc là, vous avez toute une façade avec des étagères. Donc vous avez le choix. Donc ça peut être un beau plat, comme vous avez ici. Vous avez des sous de plat qui sont magnifiques. Donc là, c'est un plat décoré. Donc celui-là est magnifique avec des carreaux, des fleurs, des traits. Et puis je vais vous montrer ce qu'est les décors à l'engobe. Donc là, on va voir la caméra, je vais me rapprocher. Donc, c'est du relief. C'est des petits points. Donc là, on sent bien à la main. Là aussi, c'est formé. Le décor est formé avec la terre à engobe. Donc, c'est travaillé à la poire. Donc, vous en avez différents. Je vais poser là. Je vais vous en montrer un autre. Donc, il y en a aussi un qui est magnifique ici. Donc c'est des travaux d'élèves. Hein. C'est pendant leur formation, les formateurs leur demandent de travailler sur un thème. Donc on voit là le décor est complètement travaillé avec des phases de points d'engobe, des croisées. Donc voilà. Donc c'est magnifique. Et puis vous avez des lampes à huile, hein, ils font du travail des lampes à huile. Donc ça, c'est du travail qu'ils réalisent. Donc on leur fait des cours de l'histoire de l'art. Et puis un matin, Max ou un des formateurs peut leur dire, voilà, on va travailler sur des formes d'lampe à huile d'une certaine époque. Donc, voilà, je vous laisse découvrir à la caméra les différents. Donc là, c'est un vase. Donc là, le thème, ça a été les girafes. Donc avec différentes girafes, longues ou plus courtes. Là, j'ai vu aussi un pot qui est moderne. Donc là, c'est un travail moderne. Donc là, c'est des têtes de femmes différentes. C'est un peu art déco. Donc voilà, vous avez le choix de ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Là, c'est aussi des décors avec différentes couleurs. Des petits bols. Donc avec les décors, donc là, décors, fleurs de lotus, bon, c'est un peu style asiatique. Voilà.
Donc, bah, écoutez, notre visite s'achève ici, notre émission prend fin. Donc, n'hésitez pas, je vais laisser, comme d'habitude, sur le générique, les coordonnées du centre Paul Céramique. Donc, vous pourrez contacter Max de Beauvais, qui est le directeur, ou le secrétariat. Donc, vous aurez les numéros de téléphone, et puis vous pourrez rentrer en contact avec le centre Paul Céramique de Normandie. À bientôt et pour une prochaine émission. Au revoir.